Monsieur Hussein Sarah, bonjour. Bonjour, Soya. Alors, dernier jour de campagne électorale aujourd'hui, à minuit, Abdelkader Benguerina est en campagne. Il a un peu pratiquement sillonné la plupart des régions du pays pour expliquer son programme électoral. Sa priorité, c'est régler la question politique en révisant en priorité la Constitution. Tout sera revu pour votre candidat. Quels seront les axes sur lesquels vous allez vous appuyer pour aujourd'hui assurer une constitution, contrairement à ce qui a été reproché à celle qui existe actuellement, un équilibre entre les différents pouvoirs? Bonjour Souhaïla Hachmi, merci de votre invitation. Bonjour à nos amis auditeurs. Effectivement, pour nous, revoir, remanier cette constitution, la revoir dans le fond, c'est quelque chose de primordial. Parce qu'il faut dire que jusqu'à présent, nous avons une constitution qui a été pratiquement taillée sur mesure pour un monarque et non pas pour un président. Et ça, c'est inacceptable. Donc pour nous, la première des priorités, c'est de revoir cette constitution. Mais on ne va pas la revoir tout seul. On va faire appel à des experts qui vont voir dans cette constitution et pouvoir faire une constitution qui puisse être à la hauteur de la nation algérienne. Une constitution qui fera la séparation de pouvoirs, donc pour créer des contre-pouvoirs, une constitution qui donnera une liberté totale à la justice, une constitution qui consacrera le chef de gouvernement comme étant un responsable et qui sera responsable devant le Parlement, une constitution qui donnera sa juste part aux parlementaires, et une constitution qui ne fera plus un président phara. Une plus grande représentativité pour l'opposition dans votre programme? Oui, nous pensons à donner un vrai statut à l'opposition, parce que l'opposition jusqu'à présent n'a pas pu jouer son rôle qu'elle devait jouer. On a fait partie de cette opposition pendant de bonnes années, mais jamais on a pu, à travers ce système qui était mis en place, jamais on a pu faire savoir et faire entendre la voix du peuple. Donc maintenant, il faut que cette opposition ait une vraie place dans les institutions algériennes. Et comme vous le savez, une démocratie sans opposition, ce n'est pas une démocratie, c'est une autocratie. Donc une démocratie a besoin d'une opposition en face d'elle pour pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger. Et puis demain, c'est l'opposition qui sera au pouvoir et vice-versa. Donc, nous, on considère qu'une démocratie sans opposition, ce n'est plus une démocratie, ça se ressemble beaucoup plus à une dictature. Alors, une constitution taillée pour un monarque, c'est votre déclaration par rapport à la constitution actuelle qui a été révisée en 2016. Dans votre programme, vous annoncez que le président sera justiciable au même titre que l'ensemble de ses concitoyens. Cela s'appliquera aussi à votre candidat ou alors ce n'est là qu'une déclaration électoraliste, monsieur? Merci pour la question. Dans la nouvelle Algérie que nous voulons construire ensemble avec tous les Algériens, il n'y a pas de super Algériens et de mini Algériens. Tous les citoyens sont des Algériens, donc devant la loi, on est tous pareils. Maintenant, chacun son titre, chacun ses prérogatives, chacun ses responsabilités. On va même au-delà, on va vers l'immunité. Donc cette immunité qui permet au ministre, qui permet aux parlementaires de dire son avis, de clamer haut sa politique, ça c'est acceptable, mais qu'elle puisse protéger quelqu'un quand il commet des actes justiciables, des actes répressibles par la loi, là elle devient non justifiée. Donc pour nous, au même titre, que ce soit le président de la République ou le reste des Algériens, ils sont tous pareils devant la justice. Ça s'appliquera aussi à votre candidat? Oui, bien sûr. S'il devait, par exemple, commettre des dérapages? Oui, il n'y a pas de raison. Vous irez jusqu'au bout? Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. C'est vraiment le fond de notre pensée. D'ailleurs, c'est ça l'état de droit tant rêvé. Pourquoi on prend des exemples sur des pays qui sont arrivés très loin sur ce point et qu'on ne puisse pas l'appliquer chez nous? Il est temps de le faire. Ça fait 60 ans qu'on a pris notre indépendance. Il est temps de mûrir.
Alors, revoir ce principe de l'immunité qui concerne aussi bien le président, les ministres, les parlementaires au niveau de la chambre basse ou de la chambre haute, c'est-à-dire le Parlement ou le Sénat, également pour toutes les personnes qui occuperont les hautes fonctions de l'État sans exception aucune. Écoutez, si le président de la République n'est pas exempt, eh ben, il n'y a personne qui le sera. Donc, et pour la chambre haute et chambre basse, nous allons, dans notre projet, revoir un peu ce système. On ne va pas le faire nous-mêmes, on ne va pas réviser cette constitution nous-mêmes, mais nous allons faire appel à des ateliers qui donneront le meilleur d'eux-mêmes et qui nous proposeront la meilleure façon de faire une très bonne constitution qui va perdurer dans le temps. Ça ne se fait plus maintenant qu'à chaque mandat on puisse faire une constitution, ce n'est pas un costume qu'on change à chaque mandat. Donc pour une fois qu'on ait une constitution qui puisse durer dans le temps pour le bien de la nation algérienne et que tout le monde soit égal devant cette constitution. Alors votre priorité aussi c'est de réduire les pouvoirs du président au profit, c'est-à-dire d'une représentativité de l'opposition et du Parlement. Oui, tout à fait. Mais vous restez quand même dans le principe du système semi-présidentiel. Comment réduire les prérogatives du chef de l'État au profit du Parlement ou de l'opposition quand vous gardez le principe de pouvoir semi-présidentiel? Alors, comment vous allez faire? Que va garder le prochain président de l'Algérie? Dans notre perception maintenant, les spécialistes pourront voir autre chose. Mais dans notre perception, dans notre vision, dans ce qu'on est en train de proposer sur notre programme, le président de la République aura pour première prérogative de donner les orientations sur les relations étrangères, donc tout ce qui est relations étrangères, diplomatie, etc. Il donnera les orientations, il n'a pas question qu'en face de lui un ministre des Affaires étrangères, mais il donnera les orientations, et il sera garant aussi de la sécurité nationale. Et il ne sera plus le premier magistrat du pays. Donc déjà ça, on va réduire ça. Allez consacrer l'indépendance de la justice. Tout à fait. Et il ne sera pas aussi responsable du quotidien du gouvernement. Il y aura un chef de gouvernement pour ça. Donc le gouvernement répondra au Parlement. Le gouvernement sera issu de la majorité parlementaire ou d'un consensus, peu importe. Hein. C'est les urnes qui vont parler après. Et c'est ce gouvernement qui sera en charge des affaires de l'Algérie, des affaires internes. Bien sûr, le président restera, c'est ce qu'on appelle un semi-présidentiel, il restera dans les orientations générales, mais le gouvernement prendra ses responsabilités une fois pour toutes. Le gouvernement prendra ses responsabilités, un régime qui offre plus d'opportunités au Parlement pour exercer le pouvoir de contrôle sur l'exécutif. Pourquoi ne pas avoir opté carrément pour un régime parlementaire? Parce que ce que vous dites, c'est dans le principe du régime parlementaire. Non, pas tout à fait. Dans le régime parlementaire, pratiquement le président de la République devient honorifique. Nous pensons que l'Algérie n'est pas encore arrivée à ce stade ou que ce système ne correspond pas à l'évolution de l'Algérie. Nous avons été dans un système qui était principalement présidentiel et même, j'ai dit, c'était pratiquement un monarque qu'on avait et non pas un président. Donc, faire un grand saut comme ça, ça risque d'être déstabilisant pour le pays. Il vaut mieux aller étape par étape. Mais je pense qu'à un certain moment, on y arrivera peut-être. Alors aujourd'hui, M. Abdel Benguerina s'appuie sur la nécessité d'engager également un processus de dialogue et de concertation avec tous les partenaires politiques, sans exception aucune. Votre priorité, c'est de régler cette crise de confiance, cette crise politique aujourd'hui. Mais comment convaincre parallèlement les Algériens d'aller voter quand on voit que certains refusent catégoriquement aujourd'hui le vote? Ils ont leur raison. Nous avons refusé la cinquième, nous aussi. Nous avons refusé le prolongement de la quatrième. Mais vous êtes pour le vote? Mais on est pour le vote parce qu'on trouve que... Cela rejette les votes, certains. Oui, certains, pas tous. On comprend. C'est nos frères. J'ai beaucoup d'amis qui sortent tous les vendredis et qui sont contre le vote. On discute tout le temps, hein, par messagerie ou... Mais il y a ceux qui sortent qui sont pour le vote également. Et il y a ceux qui sortent qui sont pour le vote, mais on parle de ceux qui sont contre le vote. J'ai beaucoup d'amis, d'ailleurs je les salue de ce plateau-là. Mais la solution, quelle est la solution alors si on ne fait pas d'élection? C'est-à-dire qu'il nous reste une seule solution, c'est on veut que tout le monde parte, donc « yirohoga, itnahawga », et après. On ne veut pas de bédouis, nous aussi on ne veut pas de bédouis. Et nous aussi on ne veut pas de ce président temporaire qui a duré pendant 9 mois. Personne n'en veut, d'ailleurs c'est des baies qui nous restent à travers la gorge. On voudrait bien s'en débarrasser. Mais bon, on n'a pas trouvé le moyen. Maintenant, dire de ne pas aller aux élections avant d'avoir éliminé tout ce tableau, après, comment on va gérer l'État?
Est-ce qu'on va aller vers les désignations? On a combattu toute notre vie pour arrêter ce système de désignation et arrêter ce système de quotas. La seule alternative pour vous, ça reste l'élection. C'est passer par l'urne. Vous allez choisir quelqu'un que je vais refuser et je vais choisir quelqu'un que vous allez refuser. Comment on va s'entendre, vous et moi? Ce n'est qu'une urne qui peut décider entre nous, Madame Souhil El Hachmi. Mais ceux qui disent aujourd'hui vouloir tenter d'empêcher la tenue des élections, on a vu certaines photos qui défilent au niveau, par exemple, des réseaux sociaux, au niveau de la communauté installée à l'étranger, ceux qui ont essayé de chahuter la tenue de l'élection présidentielle au niveau de ces localités. Comment vous qualifiez aujourd'hui ce type d'agissement? Alors, Madame Souhil El Hachmi, de ce plateau, je salue tous les Algériens. Ça fait 3 semaines qu'on est en campagne électorale. Le vote a commencé. Oui, le vote a commencé, bien sûr, dans la communauté. Mais pendant ces 3 semaines, on avait entendu avant la campagne électorale qu'il va y avoir du grabuge, que ça va se passer très mal. Eh bien, alhamdoulilah, heureusement, on a sillonné pratiquement tout le pays. Les Algériens ont été très accueillants, comme on les connaît. La campagne s'est passée dans de très bonnes conditions. Nous remercions la population algérienne d'avoir été aussi sereine et aussi calme pendant ces 3 semaines. Et nous sommes certains que le 12 se passera de la même manière, que ce sera serein, que ce sera calme. Et nous tirons notre chapeau à ce peuple qui connaît et qui comprend les impératifs du moment. Maintenant, qui tient à préserver un peu ce mouvement pacifique depuis le 22 février. Écoutez, nous n'avons qu'une seule patrie, c'est la patrie algérienne. Et nous voulons la préserver. Maintenant qu'il y ait quelques petits grabuges ici et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Heureusement, c'est minime, c'est très minime, et c'est pas ça qui va entacher ces élections. Est-ce qu'aujourd'hui, votre volonté, c'est d'inciter ou de convaincre les Algériens d'aller voter? Est-ce que vous pensez que votre programme a suffisamment convaincu, puisque vous dites, là où on est parti, les choses se sont déroulées dans de bonnes conditions, on nous a écoutés et on est réceptif à notre programme? On est réceptif, et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à nos meetings. Nous avons sillonné les rues, les cafés, et les gens ont entendu notre discours. Les gens ont discuté avec nous, même ceux qui étaient contre les élections, qui sont contre les élections. On a tenu des débats avec eux, on a essayé de les convaincre. Certains ont été convaincus, d'autres non. Donc notre programme est un programme très riche. C'est peut-être le premier qui a été diffusé sur les médias. Il a été élaboré par des experts en la matière sur tous les domaines, que ce soit social, politique, économique ou dans les affaires étrangères. Et c'est un programme qui répond aux aspirations du Hirak. N'oubliez pas que nous avons été les premiers à revendiquer le Hirak, enfin pas à le revendiquer, mais à l'encourager le 20 février par la déclaration de notre vice-président, M. Ahmed Den, qu'il a fait sur les médias, donc à la télé, un de vos confrères. Et il a déclaré, c'était le seul en politique qu'il avait fait, déclaré être avec le Hirak. Nous sommes sortis dans le Hirak tous les vendredis, nous avons été présents, M. Benguerina, M. Ahmed Den, tous les membres du bureau, bien sûr, sans avoir pris l'emblème du parti, mais c'était l'emblème national qui prenait, parce que c'est le Hirak des Algériens, mais nous sommes partis de ce Hirak. Reste maintenant les solutions, nous voyons différemment la solution pour sortir de cette crise. Mais comment on peut voir les solutions différemment quand les revendications qui sont exprimées par le mouvement populaire depuis le 22 février sont aujourd'hui totalement reprises par les candidats qui sont en course pour la présidentielle, y compris par votre candidat, M. Abdelkader Benguerina, que vous représentez ce matin? Justice indépendante, état de droit, plus de liberté, démocratie, soutien à l'emploi des jeunes avec des mécanismes que vous promettez de mettre en œuvre, on y reviendra dans la deuxième partie. Vous parlez aussi de booster l'investissement, libérer l'économie. Ce sont pratiquement les mêmes revendications. Pourquoi alors les démarches sont différentes? Attendez, nous, ces revendications, nous les avons proposées à tous les partis bien avant le Hirak, bien avant le 22. Ça fait depuis l'été dernier qu'on est en train de faire la tournée de tous les partis politiques, de tous les représentants de la société civile, avec une plateforme de résolution qui puisse faire sortir l'Algérie de la crise. On prévoyait la crise venir, on voyait la crise venir, et on a fait des propositions en ce sens, et les responsables du parti ont sillonné tous les autres partis et les personnalités algériennes pour leur proposer une plateforme commune. D'ailleurs, on a fait partie des différentes plateformes de l'opposition quand ils se sont rencontrés au Mazafran, etc., etc. Donc, on avait des propositions qui étaient déjà faites. Maintenant que le Hirak revendique ça, c'est normal. Tous les pays, tous les peuples veulent une liberté, veulent une démocratie. Et c'est normal, les Algériens veulent ça aussi. Ils n'ont pas à vivre... Oui. C'est ce que vous allez consacrer dans votre mandat. Tout à fait. Si votre candidat est élu président de la République. On est pour les libertés publiques, les libertés personnelles, les libertés de tout,
des groupes, les libertés de la presse. Écoutez, la presse n'a pas pu jouer son rôle pendant, quoi, depuis l'indépendance, on va dire ça. C'est le moment que ce quatrième pouvoir en Algérie ait vraiment du pouvoir. Alors, Monsieur Hossein Salah, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects contenus dans votre programme électoral qui, bien sûr, qui englobe plusieurs chapitres politiques, économiques, sociaux et également d'autres aspects liés à la culture et la pratique de la religion. Vous avez, par exemple, dans votre programme, ce qu'on relève, c'est que quand on voit de près votre programme, on a tendance à penser que vous avez carrément une baguette magique, qu'en 6 mois, vous allez tout régler. Et c'est l'engagement qu'a pris votre candidat, Monsieur Abdelkader Bounkerina. Dans 6 mois, je commencerai à régler le problème et je réglerai définitivement tous les problèmes qui sont actuellement en attente de règlement, que ce soit sur le plan politique ou le plan économique, qui sont une priorité dans votre plan d'action. Comment vous allez faire quand on sait que sur le plan économique, nous allons tout droit vers une crise financière, Monsieur Hossein Salah? Alors, ça m'étonnerait qu'il ait dit 6 mois pour tout. Il a dit 6 mois, 1 an. D'accord, 6 mois, 1 an. Alors, il a parlé de certains chantiers qui sont pratiquement l'habitat, et on s'est engagé à livrer 100 à 150 000 logements d'ici décembre. On y tient, c'est un engagement et on va le faire. On a parlé d'une prime à la mère qui donne le sein, donc la mère qui allaite. Donc celle-là aussi, on a dit qu'on va partir sur 5-6 mois. On a proposé beaucoup de choses pour les femmes. Oui, on parle de l'IRG aussi qu'on va revoir. On parle aussi de l'impôt pour les petits revenus, donc moins de 36 000 dinars, pas d'IRG. On a donné beaucoup de promesses et on a dit qu'on va vers la loi de finances complémentaire qui sera signée, on va faire une loi de complémentaire et ça démarre dans les 6 mois et jusqu'à 1 an. Il y a d'autres chantiers dans notre programme économique. Vous avez 2 aspects. Vous avez un aspect d'urgence qui est sur 2020-2021 et là c'est pour rééquilibrer un peu les déséquilibres économiques qu'il y a. Là il y a urgence, il faut faire quelque chose. Et vous avez sur le moyen terme, donc on se projette sur un mandat, où là on va instaurer un modèle économique qu'on a pensé, mais bien sûr reste à développer cela. Maintenant, alors sur ce volet urgent qui est là, nous partons du principe que la roue de l'économie est bloquée pour le moment. On est en train de la tirer ou de la pousser depuis des années, mais en fait elle ne tourne pas cette roue. Mais pour la faire tourner, il faut minimum, il faut qu'il y ait un bon niveau de vie, un niveau de salaire assez important. Donc, et sinon, vous avez beau produire, vous avez beau faire de l'agriculture, à qui vous allez vendre si le pouvoir d'achat n'est pas là? Donc un État fort, celui que nous voulons construire, un État fort sous le contrôle de la population, un État fort ne peut se faire qu'avec un pouvoir d'achat fort. Donc nous allons vers un pouvoir d'achat fort pour pouvoir faire tourner cette roue d'économie. Mais justement, d'où allez-vous puiser ces finances essentielles pour nécessaires pour aller justement vers ces augmentations de salaire ou baisser l'IRG sur les salaires de moins de 36 000 dinars? Comment allez-vous compenser le manque à gagner? D'où allez-vous trouver ces financements nécessaires pour aller justement vers ces propositions que vous êtes en train de formuler aujourd'hui? Alors on peut considérer que ce sont juste un peu des discours pour un peu booster l'électorat. Du tout, écoutez. C'est vrai qu'on est en train de nous figurer l'Algérie comme étant vraiment un pays dans une catastrophe absolue, mais non, il reste encore des ressources en Algérie. Donc des choses ont été faites par le passé. Oui, des choses ont été faites et il faut croire, il faut comprendre que l'économie n'a pas pu démarrer parce qu'il y avait une corruption en Algérie et que si on arrête cette corruption, nous allons gagner un bon paquet d'argent. Cette corruption... Vous allez l'arrêter? Bien sûr qu'on va l'arrêter. Écoutez, on commence par présenter quelqu'un d'honnête et d'intègre. Hein, comme j'ai dit sur un autre plateau télé, les escaliers, ça se nettoie du haut et non pas du bas. Et nous, on va commencer par le haut, donc on va commencer par la présidence de la République. Et quand on va arrêter cette corruption qui a été estimée par la Banque mondiale, je crois, à plus de 30% sur la région. C'est-à-dire, si la région elle est à 10% de corruption, nous on est à 40%. Si la région est à 20%, nous on est à 50%. Donc imaginez, oui, c'est des études qui ont été faites par... vous pouvez lire les rapports, hein, c'est pas moi qui ai écrit les rapports, c'est la Banque mondiale qui a écrit le rapport. Donc on est à plus 30% par rapport à la région. Donc si on prend le budget de l'État qui est à 600 milliards de dinars, 30%, ça fait combien de milliards qu'on peut récupérer déjà la première année? C'est avec cet argent que vous allez récupérer, que vous allez augmenter les salaires et baisser l'IRG? Pas que.
Il y a l'impôt sur la fortune, il y a... Que vous allez mettre en œuvre, bien sûr. Il y a aussi faire... Qui existe dans cette loi qui va être promulguée prochainement. Oui, oui, mais je crois qu'elle ne prendra effet qu'en 2023, d'après la loi que j'ai vue maintenant. Parce qu'il faut évaluer les fortunes. Voilà, alors que nous, on veut que ce soit tout de suite. Comment vous allez faire? Et vous allez... On va y venir. Et vous avez le marché parallèle aussi, qui ne contribue pas à l'évolution de l'économie algérienne. Nous allons encourager cette économie parallèle à devenir plus, on va dire, à rentrer dans le circuit officiel. Donc tout ça et d'autres, lancer les entreprises productives de valeur ajoutée, arrêter d'importer. Pourquoi on importe? Vous savez, notre facture d'importation d'aliments, rien que d'aliments, elle est presque de 9 à 10 milliards de dollars. Parce qu'on ne produit pas beaucoup aussi. Mais non, on est en train d'importer des choses dont on n'a pas besoin. Parce qu'on prend le blé. Le blé dur, la nécessité de l'Algérie, on a besoin à peu près de 50, je crois, millions de tonnes, quelque chose comme ça. Un produit, je pense, 38 000. Donc on a besoin, la différence est de 12 millions. Mais on est en train d'importer 60 jusqu'à 80 millions. Pourquoi de tonnes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait? On est en train de la revendre au marché noir. Donc on est en train de subventionner des achats qui ne valent pas grand-chose. Je prends l'exemple du lait. Vous savez que nous sommes le deuxième importateur mondial de lait après la Chine. La Chine, c'est 1,5 milliard de personnes. Alors que nous sommes en Algérie, qui vivent en Algérie, dans les 36 millions. C'est pas normal qu'on ait la deuxième facture au monde. Vous allez revoir le principe des subventions? Oui, bien sûr. On va revoir le principe des transferts. Les transferts sociaux... Quand on a étudié le dossier, on a vu que finalement, rien que 8,5% de ces transferts va aux nécessiteux réellement. C'est pas normal que ça sera une priorité, puisque M. Magrina dit dans les 6 mois, je vais revoir tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. En attendant, bien sûr, la loi de finances complémentaire, vous allez mettre en œuvre si vous êtes, bien sûr, si votre candidat est élu président de la République. Bien sûr, on estime qu'il y a 10 millions de populations à peu près qui sont dans le besoin sur les 36 millions. Donc il y a 26 millions de personnes en Algérie qui vivent bien. Pourquoi subventionner tout le monde? Pourquoi ne pas que les subventions aillent directement vers les 10 millions qui ont le plus nécessaire, le plus besoin de cet argent-là? Alors, votre candidat s'engage en cas de victoire à opérer des réformes économiques à travers le redressement des déséquilibres du système socio-économique en revisitant l'économie verte et l'économie du savoir en tentant d'atteindre un taux de croissance des plus élevés qui traduirait positivement sur les équilibres économiques intérieurs et extérieurs. Vous allez libérer totalement l'économie. Oui, oui. Et l'investissement. Et l'investissement. Y compris les IDE. Y compris les IDE. Effectivement, nous pensons même à des zones franches dans certaines régions du pays qui vont vraiment intéresser les IDE et pouvoir les attirer. Mais pas que. L'État devrait rester dans les secteurs stratégiques et libérer tout le reste. Il y a beaucoup de privés qui voudraient bien investir leur argent, mais qui ont été stoppés par une administration qui était lourde, par des agissements corrompus, par. Et donc, en Algérie, on a permis à certains de travailler, une minorité, et on a empêché les autres de le faire. Ça ne sera pas le cas quand M. Abdelkader Benguerina sera président. Alors justement, M. Abdelkader Benguerina, quand il sera président, promet énormément de jeunes, de choses aux jeunes. Il promet éventuellement d'accorder la priorité à la mise en valeur des terres et à l'investissement agricole dans le cadre du projet financé par l'ANSEJ, les soutiens à l'emploi, au profit des jeunes. Il leur donnera tout pratiquement. Il leur dira, vous voulez travailler, vous obtiendrez tout avec moi. Comment vous allez procéder? Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à financer par le biais de l'ANSEJ tous les projets de jeunes? On va surtout orienter ces jeunes. Écoutez, l'Algérie, c'est 70%, plus de 70% de jeunesse. Cette jeunesse, elle en a dans la tête, elle a été bien instruite, et elle en a dans les tripes, elle veut travailler. Mais cette jeunesse, on a essayé d'acheter son calme avec ses programmes d'ANSEJ, ANGEM, etc., etc. Mais vous reconduisez les mêmes dispositifs Non. D'abord, nous avons l'idée de regrouper tous ces dispositifs, et d'un... Et de deux, nous allons revoir. Mais vous les reconduisez. Oui, bien sûr. On va les revoir. On va revoir tout ce qui n'a pas marché. On va voir pourquoi ça n'a pas marché. Et on va faire un accompagnement. Nous avons beaucoup de cadres en Algérie, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui ont fait des études supérieures, qui ne veulent pas investir, mais qui peuvent accompagner ces investisseurs. Et de deux, les gens qui ont réussi, on va encore les subventionner. On va encore les aider à réussir encore plus. Alors, question des auditeurs. Quelle solution pour régler le problème des retraités aujourd'hui? Oui, les retraités. Monsieur, c'est ça, tous. Les retraités aujourd'hui vivent mal.
ils vivent même très mal, pour certains, pas pour tout le monde. Supprimer l'IRG sur les retraites? Si on supprime l'IRG pour les moins de 36 000 dinars, pour les salaires moins de 36 000 dinars, automatiquement que les retraités vont avec cette procédure. Allez-y. Mais comment allez-vous régler les problèmes des retraités aujourd'hui, qui sont pratiquement l'équivalent de 3 millions d'Algériens? Oui, oui. Eh ben, il y a 3 millions d'Algériens qui sont retraités, mais il y a 28 millions de travailleurs à peu près. Donc il y a matière à régler le problème des retraités. C'est quoi le problème des retraités? C'est que nous avons des retraites, des pensions qui ne suffisent pas, hein, qui ne suffisent pas à une vie décente pour cette catégorie de personnes. Donc déjà, éliminer l'IRG, ça permettra d'augmenter un peu les revenus. Et bien sûr, pour les retraites qui sont en dessous du SMIC, on a dit qu'on va rehausser le SMIC et ça fera partie de cette procédure. Alors, quel mécanisme allez-vous mettre en place pour les subventions ciblées? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair, monsieur? C'est la question de l'auditeur. À l'ère de la numérisation, vous savez, tout devient facile. L'Algérie est très en retard par rapport à ce secteur. C'est vrai que comment vous allez faire pour faire parvenir le sachet de lait à quelqu'un qui est à Tindouf ou quelqu'un qui est à Tamarassat, c'est très difficile. Mais sur son iPhone, sur son téléphone, sur son smartphone, vous pouvez lui faire un transfert d'argent. Donc nous allons développer, c'est pas nous qui le disons, c'est des choses qui sont maintenant, on va dire, pratiques courantes dans les pays qui se respectent. Cette numérisation qui permettra à chacun, tout un chacun, d'avoir un compte et de pouvoir recevoir cette subvention dans son compte. C'est pas la mer à boire, vous savez. Peut-être que moi j'ai les cheveux blancs, j'ai du mal à concevoir ça, mais vous savez, les jeunes ils savent très bien faire ça et c'est très faisable. Mais vous allez d'abord identifier les personnes vulnérables. Tout à fait. Le seuil pour vous, pour des personnes qui doivent percevoir à l'avenir ces subventions et les autres, 30 000 dinars de salaire, 40 000 dinars, 50 000 dinars, comme vous dites, notre volonté c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des Algériens. Alors pour nous c'est très simple, hein. On a fait un seuil qui est de 36 000 dinars, mais au fait même 36 000 dinars, je ne sais pas si c'est suffisant ou pas, mais nous pensons que même l'enseignant, hein, celui qui est au lycée, celui qui est au CEM, il n'est pas en train de vivre une vie décente. Alors autre question, vous allez tout revoir dans la Constitution. Annonce votre candidat, M. Abdelkader Ben Guelda, s'il est élu président de la République, bien sûr, séparation des pouvoirs, limiter les prérogatives du chef de l'État, séparation un peu, une justice indépendante, consacrer les libertés individuelles, vous allez aussi, y compris, séparer l'islam des affaires de l'État, revoir l'article 2 de la Constitution. Alors, écoutez, nous prenons ces jours-ci comme habitude d'essayer de trouver une deuxième femme à chaque chose. On essaye de trouver une deuxième chose, une deuxième femme à la déclaration du 1er novembre. On est en train de trouver une deuxième femme à la langue nationale et on veut trouver aussi une deuxième femme à l'islam. Écoutez, ça pourquoi c'est les femmes particulièrement une deuxième femme, monsieur, c'est Salah. On dit l'arabia dharra, hein. C'est juste un exemple arabe. Je sais que c'est un peu difficile à concevoir. Mais bon. Très difficile à concevoir. D'accord, très bien, c'est pas grave. Alors, notre principe, c'est nous partons de la déclaration du 1er novembre. Dans la déclaration du 1er novembre, l'État algérien est un État arabo-musulman et c'est un État démocratique. Donc il n'y a pas à revoir et à toucher ça dans la Constitution. C'est l'une des constantes de la Constitution et de l'État algérien. Même chose qu'avec l'unicité nationale, on ne va jamais toucher à ça, quitte à ce que ça déplaise à beaucoup de gens. Alors, est-ce que les frontières algéro-marocaines seront réouvertes avec, bien sûr, Ben Guelda à la tête de la présidence de la République, s'il est élu, bien sûr, par le peuple? Alors, entre nous et le Maroc, d'abord, c'est le même peuple. Nous avons partagé les mêmes souffrances, nous avons partagé les mêmes espoirs, et il y a des douleurs entre nous. Ça, c'est un dossier qui est assez épineux. C'est un dossier qui nécessite qu'on le voit en approfondissement. Nous pensons à faire une commission qui va étudier ce dossier, une commission mixte, pourquoi pas, loin des fracas des médias, et de revoir tous les dossiers, ouvrir tous les dossiers qu'il y a entre les deux pays. Nous avons des espoirs, mais nous avons aussi des douleurs. On a entre nous et le Maroc, ça fait depuis 1963 qu'il y a des hauts et des bas.
Maintenant, quitte à dire qu'on va ouvrir demain les frontières, non, mais c'est un dossier parmi les dossiers qui seront ouverts et loin des regards, loin des fracas, pour sortir avec des solutions qui permettront non seulement l'ouverture des frontières, mais à relancer l'UMA, qui est une force dans la région et qui devrait reprendre vie. La relancer sur le plan économique et pas politique? Les deux. Alors, M. Hossein Salah, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, vous êtes en train de proposer beaucoup de choses aux femmes, vous proposez même qu'elles soient des drates, je reprends votre expression un instant. Vous dites, par exemple, pour les femmes, nous allons octroyer ce qu'on appelle ailleurs des congés de maternité qui pourraient aller de 6 à 12 mois. C'est possible aujourd'hui? Nous, on a parlé de 6 mois, on n'a pas fait des études pour 12 mois. Donc, on sait que... Vous dites qu'on peut aller même plus loin. On dit qu'on devrait, parce que cet enfant qui est né, il a besoin de l'amour maternel, il a besoin de la présence de sa mère. Et cette mère qui travaille, qui a l'esprit ailleurs, vous savez, comment elle va être vraiment rentable dans son poste de travail, si elle pense toujours à son bébé? Donc autant donner toute l'affection à ce bébé, qu'il prenne le temps de grandir, et après on verra. Donc nous, les calculs qu'on a fait vont jusqu'à 5-6 mois, mais si on peut aller plus, pourquoi pas. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, vous parlez un peu des constantes nationales qui doivent être préservées. Vous avez parlé, bien sûr, de l'unité du territoire. Vous avez parlé de l'hymne national, du drapeau national, de l'arabité, de l'islam. Et vous n'avez pas parlé de l'amazérité. L'amazérité aussi, c'est une des constantes. Oui, c'est une des constantes. Et vous reprend, hein, par rapport à ce que bien sûr, bien sûr. C'est une des constantes de la constitution algérienne. Et on ne va pas toucher à cette constante. Au contraire, nous estimons qu'elle fait partie de l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle a toujours été. N'oublions pas que c'est les Algériens, les Amazigh algériens qui ont propagé l'islam jusqu'en Europe. Alors aujourd'hui, comment aujourd'hui booster, c'est-à-dire encourager les Algériens d'aller voter? Est-ce que c'est à la base des programmes? Quand certains vous disent, nous avons dit que pas d'élection, vous allez à l'encontre de la volonté du peuple. Quelle est votre réponse par rapport à ce que vient de dire l'auditeur à l'instant? Cet auditeur ne dit pas qu'on va aussi dans le sens d'une volonté d'une partie de ce peuple. Donc il n'y a pas que la volonté du peuple qui ne veut pas aller voter. Nous comprenons ceux qui ne veulent pas aller le 12, parce qu'ils ont été vraiment déçus pendant toutes les élections précédentes. Mais là, on dit qu'il y a une brèche qui s'ouvre et il faut profiter de cette brèche. Les élections se feront, quel que soit X, et donc ces gens-là reprendront confiance lorsqu'ils verront qu'il n'y a plus de corruption ou que la corruption est en train d'être traitée en Algérie, lorsqu'ils verront une transparence dans les agissements, aussi bien du président de la République, du gouvernement, de leurs élus, que ce soit locaux ou des élus à la PN. Donc tout ça redonnera confiance à la population. Alors, autre question, monsieur Hossein Salah de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, si par exemple on devait aller au deuxième tour et votre candidat est éliminé dès le premier tour, est-ce que vous ferez alliance avec un candidat qui serait au deuxième tour? Et est-ce que Ben Guelina accepterait, par exemple, éventuellement, s'il n'est pas élu, un poste de ministre? Il a été par le passé. Alors, M. Ben Guelina a donné la déclaration, a fait la déclaration, avant même que la campagne électorale commence, qu'il sera le président de l'Algérie. Et on pense... Tous les candidats l'ont dit aussi. Non, lui, il l'a dit avec une déclaration fracassante qu'ont repris tous les médias, et même ils ont dit qu'il l'a dit avec arrogance. Ok. Donc, nous, pour nous, il sera président le premier tour, et cette confiance s'est encore ancrée en nous lorsqu'on a fait le tour du pays, quand on a vu l'adhésion de la population à notre programme. Donc parler du deuxième tour, pour le moment, ce n'est pas encore une option chez nous. Mais si il ne devait pas être élu, est-ce qu'il serait éventuellement, il accepterait d'être ministre une seconde fois, puisqu'il a été par le passé déjà, ministre du tourisme? Écoutez, M. Ben Guelina ne s'est même pas présenté à la présidentielle de lui-même. Il ne s'est même pas présenté à la présidence du parti de lui-même. C'est nous, les partisans, les militants du parti qui l'ont poussé à devenir président du parti et qui l'ont poussé à se présenter à l'élection présidentielle. Le bonhomme n'a pas d'ambition ministérielle, n'a pas d'ambition autre que de servir l'Algérie, et c'est ce qu'il a toujours déclaré. Donc pour lui, cette mission de président est une mission de service du peuple pour sortir l'Algérie une fois pour toutes de cette crise, si l'occasion lui en est donnée.
Alors, autre question de l'auditeur qui dit, Madame posait cette question, on parle depuis le début de la révision de la Constitution, voire une nouvelle Constitution, d'un projet d'un président justiciable, des ministres justiciables, mais personne n'ose parler de la justice des mœurs, à savoir les meurtres, les viols, les agressions et les agressions sexuelles sur les enfants et adultes. Ça, c'est devenu un fléau qui range le peuple algérien depuis plus de 20 ans et on n'ose pas en parler et on n'ose pas prendre des mesures concrètes dans ce cadre-là. Qu'est-ce que vous ferez justement ? Est-ce que vous maintiendrez le principe de la peine de mort ? Le principe de la peine de mort, l'Algérie a ratifié des accords internationaux pour qu'il ne soit pas appliqué en Algérie. Il y a un moratoire. Il y a un moratoire. Donc l'Algérie va tenir ses engagements internationaux. Depuis 1997. On ne peut pas aller à l'encontre des engagements qu'a pris l'Algérie. Mais vous dites on va tout changer. Oui, on va tout changer, bien sûr. On va tout changer pour ce qui est de notre possible qu'on peut faire en Algérie. Toucher à la Constitution, ça on peut le faire. Maintenant, ça c'est un fléau. L'Algérie est touchée par ce fléau. Ce n'est pas que la justice qui peut le régler. Il faut aussi passer par l'éducation. Et c'est pas seulement la justice qui va régler ce problème. Alors, l'ingérence étrangère dans les affaires de l'Algérie, actuellement, nous l'avons vu, beaucoup interviennent et interfèrent dans les affaires intérieures de l'Algérie. Quelle est votre position aujourd'hui ? Alors, Monsieur Hossein Salah. Vous faites référence à ce qui a été fait par le Parlement européen. Il faut faire la différence entre Parlement européen et Union européenne, qui est différent. Cette requête n'a pas été votée, heureusement. À 400 et quelques voix contre. Il y a aussi d'autres personnes qui interviennent. Oui, bien sûr. Mais le fait que cette proposition a été introduite, déjà, nous sommes contre. Nous percevons les relations internationales comme des relations qui doivent être établies d'égal à égal. Revoir vos relations avec la France, puisque revoir vous revoir la relation avec tous les partenaires algériens. Vous savez, vous avez tout intérêt, quand vous avez un partenaire, vous avez tout intérêt à ce que votre partenaire soit fort, pour que votre relation soit forte et qu'elle perdure. Maintenant, quel intérêt ont les partenaires de l'Algérie à voir en Algérie un pays faible ? Ce n'est pas intéressant pour eux, ce n'est pas intéressant pour leurs affaires, ce n'est pas intéressant pour la relation pérenne qu'a l'Algérie avec ses partenaires. Alors, votre position exacte vis-à-vis de l'identité amazigh, l'auditeur insiste. L'amazigh est un Algérien. Il est musulman, il parle la langue arabe, la langue du Coran. Donc nous sommes fiers de l'amazigh, nous sommes fiers de Tarab ibn Ziyad, nous sommes fiers de ces amazigh qui ont fait la gloire de l'Algérie. Nous sommes fiers de Abdelhamid Noubadis qui a dit que l'Algérie était arabe, qu'elle restera arabe en parlant de la langue arabe. Quelle est la solution contre le fléau de la drogue qui fait ravage actuellement en Algérie rapidement sur cette question et la dernière encore une fois, revenons vers la justice et vers l'éducation. Monsieur Hossein Salah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je viens de rire parce que l'auditeur vient de dire et de rajouter une question. Est-ce que Monsieur Benguerina, s'il est président de la République, fera également sa prière dans la rue ? Oui, encore et toujours. Monsieur Hossein Salah, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci.